Bonjour à tous, je m'appelle François, nous allons aujourd'hui réaliser un pain médiéval. Alors, pour cela, il nous faut 650 g de farine, 400 g d'eau, 15 g de sel, 6 g de levure boulangère, 30 g de malt fort grillé et 20 g de miel. Nous allons tout d'abord mélanger la farine, la levure, le sel et le malt dans un grand bol. Nous avons mélangé la farine, le sel et le malt. Nous allons maintenant ajouter la levure et puis l'eau que j'ai mélangée avec le miel au préalable. Nous ajoutons la levure. Nous allons maintenant ajouter l'eau déjà mélangée avec le miel. Nous allons laisser la pâte se faire, à tout à l'heure. Voilà, la pâte est finie, nous allons la laisser reposer 1 h 30 et nous reviendrons après. La pâte a fini de reposer, maintenant c'est parti pour 40 minutes au four. Voilà, ça fait 40 minutes, normalement le pain est cuit, on va le sortir. Vous entendez? Normalement il est cuit, alors c'est bon.